Samedi 27 février, on se casse! On refait les valises, on redéménage à Wongbi. C'est parti, c'est parti. Et comme d'habitude, on s'est couché un peu tard. A tout à l'heure. Moi je fais Jean-Jacques Goldman, tu sais. Ah, tu fais Jean-Jacques Goldman. Ouais, ah, mais dis-le, hein. Mais non, vas-y, vas-y. Dis-le si tu veux bien, Jean-Jacques. Mais je sais. Finalement, je fais lui. On a fini. On va appeler un taxi pour au final un taxi limousine pour mettre tout à l'intérieur parce qu'on se fait pas la montée là. Donc voilà, c'est fini dans Dayu. Dayu. On retourne à Wongbi. Là, on vient de rentrer à Wongbi. Bon, excusez la tête, mais là, j'en peux plus. J'ai juste envie de prendre une douche, enfin, c'est de tout installer. Quand on est arrivé, on a eu un petit souci. On nous a dit qu'on n'était pas sur la liste et donc qu'on ne pouvait pas rentrer. Et qu'on ne pouvait pas dormir là, qu'on ne pouvait pas poser nos affaires. Sachant que on avait au moins 40 kilos d'affaires, qu'on s'est trimballé, qu'on a pris deux taxis pour tout remonter. Et le concierge nous a dit non, Elodie et Laure, vous ne pouvez pas rentrer dans le dortoir, vous rentrez demain. Donc il y avait toutes nos affaires sur le trottoir. Et j'ai commencé à sentir la pression qui montait. J'avais envie de pleurer de fatigue, de rage limite. Et en fait, on a de la chance parce qu'on avait une connaissance coréenne qui est venue. Je lui ai dit, bon, ben, maintenant il faut que tu viennes, il faut que tu parles en anglais parce que moi, il n'y a pas moyen que je dorme pas là ce soir. Et donc, il a été super cool. Il a expliqué au concierge qui a été adorable parce que il sait que c'est pas notre faute. Il sait que c'est de la faute de l'administration et voilà. Et donc là, on est retourné à Wongbi. Ça y est, maison. Et on doit tout réinstaller. Et voilà. Et là, je suis fatiguée, j'en peux plus. Voilà, c'est reparti pour tout réinstaller. Oh, et quel jour. On est quel jour déjà? Dimanche. Aujourd'hui, on est le dimanche 28 février, donc on est dans Wongbi, ça y est. On a réaménagé, tout est installé. Enfin non, pas tout, parce qu'il faut aller chercher les boîtes. Donc ça y est, on est retourné à la maison. Alors j'ai plus de voix, parce qu'on est sorti hier et on est rentré un peu tard. Ou un peu tôt, ça dépend de quel point de vue. Et je sais pas, j'ai même pas crié, mais j'ai... Oh là. Mais j'ai plus du tout de voix, j'avais plus. Donc voilà, et là aujourd'hui c'était les nouveaux étudiants commencent à arriver. Et là ce soir on va aller manger avec les deux nouveaux français. Je sais pas si je vais filmer, on va voir. Et on a encore quelques courses à faire pour réaménager la chambre. Voilà, c'est parti pour le second semestre à Pusan. Oh putain, j'ai pas de voix, je peux pas le dire. Il neige. Ouh. Il neige beaucoup, 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 beaucoup. C'est reparti pour les vlogs. Lui déjà. Check la température. Il est allé où le club, il a gardé les tickets en fait. Génial. Partout, quoi.
4 mars. Les cours ont repris depuis environ 2 jours. Et aujourd'hui, on fait la welcome party. On l'organise dans le bâtiment du DGS. Et avec Myriam, du coup, on va... on a réservé la salle, fait le lounge. Et du coup, on va aller préparer la salle et tout le monde va venir. Voilà. Comme d'habitude, je vais essayer de filmer. D'étudiants qui se déplaçons pour aller dans un bar. C'est surprenant. Voilà, c'était intéressant. Nous, on a un peu fait les associables avec Gérald, mais bon, c'était drôle. Samedi matin, 11h, on va à la réunion d'information. On a très peu dormi, encore une fois. Et là, ils vont nous parler du dortoir et tout. Voilà. C'est normal. Ah, j'ai un cancer. Je passe en chimio au mardi prochain, je sais pas, je me suis réveillée comme ça, c'est super. Ah oui. Je tente des prises de vue. Donc voilà, c'était le début du second semestre à Pusande, avec l'arrivée des nouveaux étudiants, la welcome party dans la soirée d'intégration. Donc tout va très vite ce semestre. On traîne déjà avec de nouvelles personnes, ce qui est super. Enfin, il y a vraiment des gens géniaux qui sont arrivés. On n'oublie pas les anciens, bien entendu. Et voilà. Hier, j'ai pas filmé, mais on est allé voir un film dans le lounge parce qu'on devait sortir, mais on avait déjà fait 3 soirées d'affilée. Et là, c'était plus possible. Même ma voix, elle suit pas. J'ai toujours la voix cassée. Et donc voilà. C'est un début de semestre qui est vraiment intéressant, qui va très très vite, mais voilà, j'ai rien à rajouter en fait. La prochaine fois que je filme, je pense que, enfin non, même c'est certain, il y a ma sœur qui va apparaître dans les vlogs. Je suis super excitée parce qu'elle arrive dans 3 jours. Donc voilà, je continue les vlogs, je continue les vidéos, je vais peut-être tenter d'autres vidéos à voir, donc continuez à me suivre. Et merci de me suivre. Voilà, j'arrive plus à parler. Donc c'est la fin de ce vlog.